Vous êtes plus d'un millier dans 32 pays à avoir rejoint ce grand mouvement de création artistique qu'est CréaFest. Seul ou à plusieurs, vous êtes en train de créer une œuvre que vous a inspiré le thème de cette édition 2022. On part à la rencontre de plusieurs d'entre vous au Château des Vaux, chez les apprentis d'Auteuil. Allez, c'est parti! Bonjour! Bonjour! Sandrine, chargée d'animation et d'innovation pédagogique au Château des Vaux. Enchantée. Sophie, éducatrice au Château des Vaux pour les Rénas. Ok, c'est quoi le Château des Vaux, où on est là? Alors le Château des Vaux, c'est un établissement des apprentis d'Auteuil qui existe depuis 1946, au plein cœur du Perche. Et qui accueille qui? Qui accueille des jeunes en grande difficulté scolaire, des jeunes mineurs non accompagnés, des jeunes lambda, on va dire. Ils font quoi les élèves ici alors? Ils apprennent quoi? Ils vont à l'école déjà, et après tout ce qui est autonomie dans les foyers. D'accord, et puis il y a des formations? Oui. Alors les formations, ça va du CAP boulangerie, pâtisserie, au bac pro aménagement paysager, beaucoup de formations du bâtiment aussi, et puis un collège qui accueille les jeunes dès 11 ans. Ok, et beaucoup de nationalités? Je pense qu'il devrait y en avoir environ 36. Et donc, vous avez participé avec CréaFest, avec certains de ces jeunes, avec quels jeunes? Oui. Alors, on a participé dans le cadre d'un projet qui s'appelle Parcours illustré. On a participé pendant une semaine, puis une deuxième semaine, autour du thème du poisson qui rêvait de liberté, avec des jeunes de 15 ans à 19 ans. De différentes nationalités, 9 nationalités au total, pour la création d'une belle fresque. Et donc de participer à ce projet, ça, vous avez eu quelle réaction de leur part? Ah bah, ils étaient enthousiastes. On va les voir? On va les voir. Allez. Et ben bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter chacun à votre tour? D'accord monsieur, moi c'est Siaka, je viens de la Côte d'Ivoire, j'ai 17 ans. Et je suis en classe de 3e 5 PEA au Château des Vaux. Bonjour, moi je m'appelle Moïse. Je viens de Guinée-Conakry, j'ai 16 ans. Je suis dans une classe 3e. Bonjour, moi je m'appelle Seydou. Je viens de Mali. Bonjour, moi je m'appelle Fodier. Je viens de Mali. Et j'ai un 3e année. Ok, qu'est-ce que vous avez pensé du thème de CréaFest, cette histoire de petit poisson qui rêvait de liberté? Bah, selon moi j'ai pensé du projet CréaFest, du petit poisson qui rêvait de la liberté. En fait, pour moi, la liberté aussi, c'est un truc important dans la vie. Quand tu es libre, et pas besoin d'avoir les pressions sur le dos, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Vous avez fait une gigantesque fresque, elle fait au moins 10 mètres de long. Qu'est-ce qu'il y a dessus sur cette fresque? Qu'est-ce qu'on peut voir? On a fait plusieurs pochons. Bon, moi, je pense que pochons, c'est des libertés. C'est des libertés, c'est fait. Liberté des pochons, là, c'est la mer. La mer, est-ce que quand tu es venu en France, vous avez tous dû traverser à un moment ou à un autre la mer? Comment ça s'est passé pour vous? C'était trop dur, c'était pas facile du tout. Bah, franchement, je vois que la liberté est bon. Oui. C'était le fait de traverser la mer, c'était l'objectif d'atteindre la liberté pour toi? Oui, bien sûr, c'était pour atteindre la liberté. Et d'être aussi en sécurité aussi. Et donc, objectif atteint? Oui, je crois que oui. C'est ce que vous avez voulu raconter aussi à travers cette fresque? Oui, ça on a voulu. Qu'est-ce qu'on peut y voir alors qui te fait penser à ton parcours par exemple dans cette fresque? Alors, concernant mon parcours, franchement c'était trop dur. J'ai vu beaucoup de choses qui n'étaient pas faciles. Mais toujours j'ai accepté parce que je voulais juste être libre après. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans la fresque? Dans la douceur. Bon, nous, on a fait beaucoup de choses avant d'arriver ici. C'est fait. Avant, on n'était pas libre. C'est fait. Bon,
On a traversé à l'eau pour rentrer en Europe ici. C'était difficile. Au bout de la traversée, il y a quoi comme objectif? C'est quoi vos rêves? Moi, mon objectif, j'étais à Mali. J'étais à musique. J'étais formation de musique. Après, j'ai sorti ça parce qu'il n'y a pas de liberté à Mali. Il y a des guerres. Il n'y a rien. Si je comprends bien, les petits poissons, c'est vous, au fait? Oui, en fait, quand je vais bien voir notre parcours et voir les petits poissons qui rêvaient de liberté, je crois que c'est nous, vraiment, les petits poissons. Oui, je crois que oui. Là, c'est CréaFest, c'est un événement dans le monde entier. Donc, votre histoire, à travers celle du petit poisson, vous allez pouvoir la montrer ailleurs aussi. Ça compte? Oui, ça compte, effectivement. Maintenant, je peux dire, on est libre en fait maintenant, qu'avant. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette fresque? Sur cette fresque, selon moi j'ai dessiné en fait la nature, j'ai fait quelques arbres, la lune et il y a des oiseaux qui tournaient autour de la lune. C'est-à-dire, je peux expliquer un peu parce que pour bien voir la lune et les oiseaux qui tournent autour de la lune, je peux dire qu'ils sont libres. Ils montrent en fait le symbole de la liberté. C'est ce que nous devons faire aussi. Toi, tu as dessiné quoi? Moi, j'ai dessiné les points parce que ça sert aux manifestations. Et j'ai fait les églises pour donner l'égalité aussi à les personnes, pas de différence entre les religions aussi. Donc, tu as dessiné une église, une mosquée? J'ai dessiné une église et une mosquée et pour les juifs aussi. Ok, une synagogue. Oui. Tu as dessiné quoi, toi? Moi, j'ai dessiné plusieurs poissons avec un bateau, avec la mer aussi. Et pour toi? Moi, j'ai dessiné une mosquée. J'aime mon religion dans mon vie. Comment vous vous y êtes pris pour dessiner? Donc, c'est de la peinture? Oui, c'est de la peinture. Oui, c'est de la peinture. Et vous faites ça à quelles occasions? Parce que vous apprenez? Je ne suis pas forcément dans une formation de dessin, en fait. C'est réfléchi, c'est un talent qui est un peu dans ma tête. Tu veux te préparer quoi comme avenir? Je veux me battre pour travailler parce qu'on ne peut pas être ici pour venir s'asseoir comme ça, quoi. Donc, il faut se battre pour travailler, pour mettre un projet en place, pour avoir un avenir meilleur. Pour toi, ça passe aussi par là, la liberté? Oui, ça passe par la liberté, parce qu'il faut avoir la liberté de travailler, parce que mon idée, c'est les travaux du bâtiment. C'est ça que je vais faire pour pouvoir avoir mon avenir meilleur. Eh bien, je te souhaite de la réussite. Merci. Quand vous dessinez, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous met dans un autre état d'esprit? Est-ce que vous aimez dessiner? Oui, parce que... Alors moi, j'ai dessiné beaucoup de choses. J'ai dessiné grenouilles, poissons. Toi, tu aimes ça, dessiner? Ouais, moi, j'aime ça. Mais avant, je connais pas déjeuner. J'ai pris ça ici. Vous sentez quoi quand vous dessinez? Si je suis en train de dessiner, moi, ça me fait plaisir. C'est juste c'est comme si on est en train de s'amuser, quoi. Mais le dessin, c'est pas mon but, quand même. C'est juste pour se distraire la tête. Et toi, ça te détend? Ouais, c'est une façon de me détendre. Ça m'inspire en fait. Ça m'inspire de savoir un peu, savoir aussi le talent de d'autres personnes aussi. Parce qu'on était un peu nombreux, donc moi, ce que je faisais, il y a d'autres aussi qui regardaient ça. Ça m'a permis aussi de voir le talent de d'autres personnes pour pouvoir me renforcer un peu, quoi. Oui, vous apprenez à vous connaître entre vous aussi. Voilà, quoi. Parfait. CréaFest, c'est plein de personnes, des jeunes et des jeunes comme vous et des moins jeunes, qui dans le monde entier vont créer une œuvre sur le thème de ce petit poisson qui rêvait de liberté. Est-ce que vous pensez que les œuvres de ces personnes vont se ressembler entre elles et vont ressembler à la vôtre? D'une part, ça peut se ressembler. D'une autre part aussi, ça peut ne pas se ressembler aussi parce que les inspirations ne sont pas la même, quoi, en fait. Il y a plusieurs nationalités aussi qui viennent, mais on n'a pas les mêmes histoires aussi. Sandrine, ce sont des jeunes qui sont dans
plein de classes différentes. Comment ça s'est passé pour se retrouver et créer cette œuvre ensemble? Alors, on a rédigé un projet qui est mécéné et financé par la Fondation Fujita. Et l'objectif était de faire intervenir une artiste syrienne qui est réfugiée politique en France, donc Diala Brisli, qui est venue les aider et les accompagner. Et Sophie, en fait, a fait le lien avec, entre tous les jeunes, parce que moi, je ne les ai pas forcément en cours. Et le plus important, en fait, c'était d'avoir un maximum de jeunes qui puissent participer à notre fresque géante. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette artiste syrienne, de pouvoir échanger avec elle et de parler de la création de cette fresque avec elle? Ça nous a apporté quand même plein de choses, parce que franchement, elle a beaucoup de talent aussi. Elle nous a montré comment on peut dessiner, comment on... tout ce qu'on a fait, franchement, c'est elle qui avait le plan. Vous avez discuté de ce que vous alliez faire avec elle pour vous mettre d'accord, vous décider? Puis le premier jour d'abord, quand on est arrivé, on est rentré dans la salle, elle a demandé à ce que pour voir un peu ce que chacun peut faire, quoi. On nous a donné des feuilles vierges et des crayons à papier pour voir. Elle nous a dit de dessiner ce qu'on veut, qui est lié un peu à la liberté, qu'on peut faire, quoi. Donc chacun a fait à son tour un petit dessin dont elle a vu que on avait beaucoup de potentiel pour bien dessiner. Donc après, on est parti maintenant sur le tableau maintenant pour mettre ça au propre. Les échanges avec cette artiste syrienne, qu'est-ce que tu en retiens? Bon, vraiment, lui, il était bon. Ça fait, il nous a aidé pour beaucoup de choses. En tout cas, je suis trop content. Et pour toi? Et elle est très gentille. Elle t'a aidé sur oui, le dessin est, sur... Elle a aidé pour nous beaucoup, beaucoup de choses. J'ai l'impression que tu veux rajouter quelque chose. Bah, moi, ce que je peux ajouter, c'est juste je remercie à toutes les personnes qu'on a travaillé ensemble, parce qu'on a travaillé dans l'équipe, on était solidaires jusqu'à on a fini. Et franchement, je remercie l'équipe. Bon, vous êtes fiers de ce que vous avez proposé pour CréaFest? Oui. Ben, vous pouvez? Ouais, c'est ça. Oui. Et ben, bravo et merci. Merci. Et rendez-vous le 15 juin pour découvrir les sélections officielles de CréaFest 2022.